Bonsoir, merci d'être ici. Je vais vous faire une présentation courte et générale sur notre vision du handicap en général et du lien entre le handicap et les technologies et même les technologies numériques et ensuite Pierre viendra se présenter, raconter son histoire et surtout décrire le produit qu'il a développé avec son équipe et qui pour nous est un des meilleurs produits aujourd'hui sur le marché. Donc, qu'est-ce que c'est que le handicap Alors déjà le handicap, c'est compliqué. La définition du handicap c'est compliqué et si vous regardez dans les diverses sources euh, que ce soit des sources euh, non officielles style Wikipédia ou des sources officielles style OMS ou MDPH, euh, vous allez tomber euh, sur des définitions qui sont différentes euh, parce que euh, un handicap c'est multidimensionnel. Imaginez par exemple quelqu'un qui a fait un AVC et qui est partiellement paralysé. Et dont l'amputation du champ visuel est partielle également. Imaginez le nombre de variables et de paramètres qui sont modifiés, comment elles sont modifiées et à quel point c'est difficile de décrire ça et de quantifier ça. Donc, le handicap, c'est quelque chose qui est très compliqué et les définitions sont controversées avec des définitions qui sont médicales et des définitions qui sont un peu sociologiques. Donc, voilà, déjà. Pour vous dire ça, ne serait-ce que conceptuellement, c'est quelque chose de compliqué. Et après, techniquement, on va voir que c'est très compliqué aussi. Donc la définition de la MDPH, qui est l'institution publique de référence en France, je vous l'ai mise en résumé, sinon elle fait euh, plus de 4 ou 5 lignes. Donc c'est une limitation d'activité en lien avec une altération d'une fonction de l'organisme, que ce soit une fonction physique, mentale, cognitive, sensorielle, etc. etc. Une ironie de l'histoire fait que le terme handicap, donc le terme français de handicap, vient de l'anglais. Qui veut dire main dans le chapeau, alors que le terme anglais de handicap, qui est disability, vient du français, qui veut dire disable. D'accord. Alors bon, j'ai pas fait une historiographie exhaustive et je peux pas vous retracer tout le parcours de ces deux termes, mais le nom français vient de l'anglais. Le nom de handicap n'existe pas en anglais et se traduit par disability qui veut dire à peu près la même chose. Et euh, par ailleurs, euh, il se trouve que j'ai la chance de bien connaître la personne qui a écrit le que sais-je sur le handicap et euh, qui un jour me l'a dédicacé, d'ailleurs le jour de son anniversaire, c'est un monsieur qui s'appelle le professeur Claude Amonnet, qui a 75 ans maintenant. Et euh, quand il me l'a euh, dédicacé, il m'a dit, attention, on ne dit pas handicap, on ne dit pas personne handicapé, on dit personne en situation de handicap. Et d'ailleurs, le que sais-je sur le handicap, vous pouvez vérifier, s'appelle personne en situation de handicap. Donc c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, évidemment, pour ne pas stigmatiser les personnes qui sont concernées. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les données sur le handicap Alors là encore, c'est très difficile de trouver des données fiables et de trouver des données concordantes. Alors données fiables, c'est-à-dire que quand vous consultez les bases de données de référence, donc celles de l'OCDE, de l'OMS ou des plus grands journaux médicaux sur le handicap, d'abord la première chose qu'ils vous disent c'est on n'est pas sûr de nos données et on a eu beaucoup de mal à rassembler ces données et on pense qu'il y a une marge d'incertitude qui est très élevée. Donc, il n'y a pas de données, il y a des données de référence, mais elles sont certainement associées à une grande marge d'incertitude et c'est difficile de quantifier le handicap. Et d'ailleurs, ces données ne sont pas concordantes, elles ne disent pas tous la même chose. Vous pouvez avoir des institutions qui sont extrêmement prestigieuses et à qui vous auriez envie, a priori, de faire extrêmement confiance, qui vont pas vous dire la même chose quand vous leur demandez première cause de handicap au monde. Il ben, y en a une qui va vous dire un truc, puis il y en a une qui va vous dire autre chose. Preuve que c'est des données qui sont incertaines. Et donc le handicap, je vous l'ai dit, il est très difficile à mesurer parce qu'il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte. Et d'ailleurs, quand vous regardez les études cliniques médicales sur le handicap, vous vous rendez compte que les critères de jugement... Qu'utilisent ces études cliniques quand elles décident d'évaluer une thérapeutique quelle qu'elle soit ce sont des critères de jugement qui sont très variables d'une étude clinique à l'autre donc avec une difficulté à avoir un consensus ce qui pose un problème pour les entrepreneurs notamment quand les entrepreneurs essayent de développer des produits thérapeutiques parce que il faut essayer d'avoir un critère de jugement de référence qui va être accepté par les autorités quand vous allez ensuite développer vos dossiers réglementaires et c'est pas trivial parce qu'il n'y a pas de consensus fort en général sur les différents critères de jugement utilisés pour mesurer l'évolution d'un handicap. De façon générale, en France et dans le monde, l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie en bonne santé augmente également, donc tout ça c'est des bonnes nouvelles plutôt. Mais malgré ça, en volume total, le handicap augmente dans le monde et on va voir qu'à l'échelle mondiale, c'est considérable. Et évidemment, la dernière phrase, vous le savez, les sociétés ne sont pas bien euh, accueillantes et friendly pour les gens qui ont un handicap. Hein. C'est très difficile d'être avec un handicap parce que, bah, vous le savez, on ne peut pas accéder à plein de lieux, on va en reparler un petit peu. Et les systèmes de soins ne sont pas non plus adaptés euh, pour euh, cette augmentation de prévalence du handicap parce qu'on a des systèmes qui sont pesants et qui ne s'occupent pas très bien des gens qui sont en situation de handicap, à mon sens, même si évidemment, il y a plein de gens qui travaillent et qui, qui essayent d'aider les personnes concernées. Je parle du système dans l'ensemble. Alors les données qu'on a, c'est que, alors ça c'est une donnée qui est, en revanche, relativement concordante, cest vous trouvez à peu près la même partout. Il y a un milliard de personnes dans le monde, c'est-à-dire 15% de la population mondiale qui vivent avec un handicap. Alors ça peut être des handicaps minimes. On va voir les différentes causes. Il y a des, il y a des handicaps modérés. Ça ne veut pas dire être paralysé ou être en fauteuil roulant, mais qui, sont, qui ne sont pas à 100% de leur performance corporelle en général. 80% des personnes en situation de handicap vivent dans les pays les moins avancés. Donc ça aussi, c'est un enjeu important pour les entrepreneurs, c'est de comprendre que le marché potentiel n'est pas forcément dans les pays occidentaux ou les pays les plus développés, mais plutôt dans les pays les moins avancés. En 2013, on estimait qu'un huitième de l'espérance de vie était associé à un handicap. Donc, en moyenne, dans le monde, il y a un huitième de la vie pendant laquelle les gens vont vivre avec un handicap important ou pas important. Mais c'est un huitième de la vie. La prévalence augmente avec l'âge, c'est intuitif, mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas concernés. On va voir tout à l'heure. Et enfin, les causes principales sont donc les accidents, les maladies génétiques, et évidemment les maladies chroniques, et parmi lesquelles les maladies neurologiques, mais pas seulement. Et puis alors, être handicapé, c'est pas seulement embêtant parce qu'on a un handicap, mais c'est aussi embêtant parce que tout est plus compliqué, avec statistiquement, et ça c'est invariant, un taux d'éducation ou d'accès à l'éducation qui est plus faible, un taux d'emploi qui est plus faible, et un niveau de vie et de revenus qui est plus faible. Donc c'est la double, la triple ou la quadruple peine d'avoir un handicap physique ou autre. Donc ça c'est une capture d'écran de la base de données de référence. Qui est celle qu'un que, que, qu journal a fait. Bon, en gros, c'est l'OMS et un journal médical qui s'appelle le Lancet. Et donc, vous voyez, vous avez une, une visualisation avec une représentation graphique des différentes causes de handicap. Donc, C'est en anglais, désolé. Euh, en fonction donc de leur importance. Et à gauche, vous avez vu qu'on peut filtrer les paramètres. Donc là, c'est tous âges confondus. L'indicateur, c'est YLD, ça veut dire Years of Life with Disability, donc les années de vie avec un handicap. Et c'est tout sexe confondu, et c'est global, donc c'est mondial. Donc vous voyez que, chose très importante, et que vous n'auriez peut-être pas deviné, les maladies qui donnent le plus de handicap, donc dans les maladies de gauche, qui sont les maladies non communicables, c'est-à-dire non transmissibles, c'est-à-dire pas les infections, c'est la dépression et le mal de dos. Ça paraît trivial, mais si vous regardez première cause de handicap au monde, vous allez voir qu'il y a 15 jours de ça, l'OMS a publié un nouveau rapport qui actualise encore ces données et qui dit que la dépression est la première cause mondiale de handicap. D'accord 300 millions de personnes dans le monde à peu près. Ensuite, si on filtre et qu'on passe sur les 15-49 ans, donc vous voyez, je vais faire l'aller-retour exprès pour que vous puissiez voir ce qui grossit et ce qui diminue. Donc la dépression augmente chez les jeunes, le mal de dos augmente chez les jeunes. Aux États-Unis, le mal de dos, c'est la troisième ou Deuxième cause de dépenses de santé. C'est juste colossal. Et vous voyez que d'autres maladies évoluent aussi. Donc le diabète a tendance à diminuer en importance. Et si on fait un filtre supplémentaire, qui est là chez les plus de 70 ans, vous allez voir que la case Sense en haut à droite. Donc, qui était assez étroite chez les jeunes, là, elle commence à prendre beaucoup plus de place. Donc les, cette case saine, ça veut dire les gens qui ont un handicap visuel ou auditif. Donc vous voyez que ça, ça prend de la place. Alors que relativement, la dépression baisse. Vous voyez, là, c'était gros, là, c'est beaucoup moins. Et le mal de dos, ça a tendance aussi à diminuer de volume. En revanche, le diabète augmente, l'Alzheimer, évidemment, commence à arriver. Et puis, vous avez d'autres maladies, comme des cancers, par exemple, qui commencent à devenir visibles. Et enfin, dernier filtre, ça, c'est plus de 70 ans, mais c'est la France. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence par rapport au monde. Il y a quand même un peu moins de handicaps sensoriels, mais ce n'est pas flagrant. Il y a plus de cancers de prostate parce qu'on a la chance d'avoir plus de personnes âgées et donc des hommes qui arrivent à devenir suffisamment vieux pour rencontrer leur cancer de prostate un jour, alors que si on meurt avant, évidemment, on ne peut pas l'avoir. Alors maintenant, quel est le rapport entre le handicap et les technologies Alors, en regardant un petit peu le paysage des technologies qui s'intéressent au handicap, en gros, je vous propose une catégorisation en trois classes des technologies avec le handicap. D'abord, il y a ce que je propose d'appeler les technologies normales et surtout les technologies normales normalisantes c'est-à-dire des technologies normales qui n'ont pas été conçues spécifiquement pour les personnes en situation de handicap mais qui sont normalisantes dans la mesure où elles vont permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un certain nombre de services, d'informations ou de communications que normalement ils ne pourraient pas avoir. Et vous voyez cette phrase qui est à mon avis très pertinente d'une personne qui travaillait chez IBM qui est en anglais pour la plupart des personnes la technologie rend les choses plus faciles mais pour les personnes en situation de handicap, elle ne fait que rendre les choses possibles alors qu'elles étaient Possible. Et je pense que vraiment, il y a un premier truc dont il faut se rendre compte, c'est que la technologie en général, la technologie normale, celle qui n'est pas spécifiquement conçue et développée pour les personnes en situation de handicap, déjà en soi, elle apporte énormément de choses aux gens qui ont un handicap par rapport à il y a 50 ans. Donc évidemment, elles ont accès à l'information, on n'est pas obligé de descendre chez soi pour acheter le journal ou on n'est pas obligé de regarder la télé, on peut aller sur Internet, mais aussi pour la formation, pour le travail, on peut travailler de chez soi ou pour la démocratie donc participer à la vie démocratique c'est-à-dire aller sur les médias sociaux ou voter eh ben on peut le faire beaucoup plus facilement grâce à cette technologie par rapport à quand il y avait moins de technologie avant et où c'était pas possible ou très difficile. Et donc il y a deux mouvements technologiques majeurs qui permettent ça. La première, donc, le premier mouvement c'est le plus simple donc c'est la diffusion des technologies de l'information dans tous les aspects normaux de notre vie et la deuxième c'est que nos smartphones normaux ou nos ordinateurs normaux sont maintenant équipés de dispositifs qui permettent aux personnes en situation de handicap de faire beaucoup plus de choses qu'avant et notamment de communiquer selon la façon qu'ils préfèrent les gens qui n'arrivent pas à parler peuvent taper les gens qui n'arrivent pas à taper peuvent parler d'accord et ça c'est quelque chose qui est permis par la technologie grand public entre guillemets Ensuite, le deuxième type de technologie, c'est des technologies qui sont non thérapeutiques, mais qui sont plutôt des technologies servicielles. Donc celles-là sont spécifiques, elles ont été développées pour les personnes en situation de handicap, mais ce ne sont pas des technologies qui sont destinées à améliorer le handicap, mais plutôt à rendre la vie plus facile à apporter un service. Donc vous avez par exemple, c'est absolument non exhaustif et c'est un choix qui est complètement critiquable, mais vous avez sur la première puce des applications smartphones qui permettent alors Access Maps c'est une application américaine mais les autres j'accède ou Restroom Rater c'est des, des applications qui vont aider grâce à la géolocalisation les personnes en situation de handicap à appréhender leur environnement pour savoir où est-ce qu'il y a une borne de métro qui est accessible où est-ce qu'il y a un restaurant où il y a des toilettes pour personnes handicapées où est-ce que euh, il y a des toilettes auxquelles on peut aller etc, etc. donc ça c'est une première exemple d'application ensuite vous avez une, une application qui s'appelle Line Square, qui, elle, va euh, être un peu plus technologique et qui va appréhender votre environnement en fonction de la géolocalisation et qui va vous dire ce qu'il y a autour de vous, si vous ne voyez pas bien. Donc, elle va vous dire qu'il y a une route, qu'il y a un parc, qu'il y a, euh, bah, par exemple, un resto, des toilettes, ce que vous voulez, mais elle va vous dire ce qu'il y a autour de vous. Ensuite, vous avez une autre boîte qui s'appelle Accomable, donc, qui est une boîte anglaise, c'est un, une contraction de Accommodation et euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs, euh, qui se propose de faire une sorte d'Expedia de ou d'Airbnb pour les personnes en situation de handicap qui veulent partir en vacances. Et, alors, évidemment, beaucoup de ces boîtes ont été conçues par des personnes qui elles-mêmes ont un handicap. Euh, et donc, ça leur permet de raconter une histoire, mais qui a aussi du sens et surtout ça leur permet de connaître le problème. Et, euh, la personne qui a fondé Accomable vous dit Vous vous êtes toujours dit que préparer des vacances, ça demandait de l'organisation, mais dites-vous que quand on est handicapé, c'est encore plus extraordinairement difficile. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pareil, c'est un service qui vous aide à organiser vos vacances quand vous avez un handicap, en fonction de votre handicap et en fonction de ce qui vous est possible de faire. Et puis, je vous en ai proposé une dernière qui s'appelle Dyslexia Key, qui, elle, à chaque fois que vous téléchargez une application, si vous êtes dyslexique, va vous aider à beaucoup mieux regarder le clavier de l'application pour aller taper sur cette application les instructions que vous pouvez y rentrer. Donc ça c'est la deuxième catégorie de produits numériques, ce sont des technologies qui sont non thérapeutiques, servicielles mais qui elles sont spécifiquement développées pour les personnes qui ont un handicap. Et puis il y a la troisième catégorie, qui est celle dont va nous parler Pierre, qui est la plus ambitieuse, qui va être aussi forcément la plus difficile, mais qui est celle qui a un potentiel immense, qui sont les technologies entre guillemets ou pas entre guillemets thérapeutiques. Et donc ce sont des outils qui ont spécifiquement été développés pour améliorer un handicap donné, c'est à chaque fois extrêmement précis, mais en passant par la technologie, voire par la technologie numérique. Donc. Deux grandes catégories qui sont les exergames, comme le produit de Pierre. Donc, exergames, c'est exercice game. Donc, ce sont des jeux qui vous font faire des exercices. Vous savez que les personnes qui ont un handicap doivent souvent et éventuellement même sans arrêt faire des exercices pour travailler leur handicap et essayer de compenser leurs déficits ou les réalités virtuelles euh, qui sont un peu différents mais qui comme vous le savez euh, font l'objet d'extrêmement euh, beaucoup de recherches de la part de différents acteurs du numérique ou hors numérique alors le plus souvent c'est purement ludique, mais la réalité virtuelle a un vrai potentiel. Et il y a trois mois, il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet, qui est, un des, qui est le deuxième journal médical le plus prestigieux, qui a montré que grâce à la réalité virtuelle, on avait réussi dans un échantillon de personnes âgées à diminuer... Euh, le risque de chute. Et vous savez qu'il y a un, un désastre de la gériatrie, c'est les gens qui chutent. Parce qu'une personne âgée qui chute, c'est pas seulement qu'elle se fait mal, c'est qu'elle se fait mal, elle peut se fracturer quelque chose, elle peut rester chez elle pendant trois jours sans qu'on arrive à la relever. Et puis ensuite, quand vous l'amenez à l'hôpital, là, ça commence à se gâter, parce que quand vous mettez une personne de 85 ans dans un hôpital alors qu'elle était très bien chez elle, la situation se dégrade brutalement, et parfois on n'arrive jamais à la remettre chez elle, juste parce qu'elle a chuté au départ. Et les chutes surviennent souvent... Euh, sur des petits handicaps qui sont difficiles à percevoir mais la réalité virtuelle aide les personnes âgées à mieux percevoir leur environnement et diminue donc le risque de chute et donc ça c'est à mon avis plein d'espoir donc il y a plein de produits qui sont en développement dans énormément de maladies donc évidemment les maladies neurologiques mais pas seulement les maladies ophtalmo donc euh, le, la plus fréquente c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est à dire c'est une anomalie de la macula qui est un, une partie de l'œil et qui rend aveugle ou malvoyante beaucoup de personnes âgées la rhumatologie, c'est important, la prévention des chutes, je viens en parler. C'est un champ scientifique qui est encore relativement immature, ce n'est pas comme la cancérologie ou les antibiotiques. Commercialement, il n'y a pratiquement rien, mais on voit qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de boîtes qui lèvent de l'argent, qui lèvent parfois même beaucoup d'argent, si vous regardez. Et donc, vous avez tous les indicateurs classiques d'amélioration d'une activité ou d'un marché par la technologie. Premièrement, c'est délocalisable. Avant, vous deviez aller chez votre kiné pour faire des exercices, ou alors il fallait le faire venir chez vous, ce qui coûtait encore plus cher. Ben là, vous pouvez faire éventuellement euh, l'exercice de chez vous. Ça coûte moins cher quand c'est la technologie ou un logiciel. Une fois que vous l'avez acheté, vous le faites euh, fonctionner pour à moindre coût, alors qu'à chaque fois que vous faites venir un kiné, il faut le repayer. La ludification, donc ce qu'on appelle la gamification, augmente l'adhérence. C'est moins pénible de faire un jeu plutôt que de faire des exercices chez le kiné. Et puis, évidemment, l'humain est faillible, et c'est beaucoup plus précis souvent de passer par la technologie pour faire certains types d'exercices. Et bien sûr, ça vous permet de mesurer ce que vous faites et de mesurer les résultats. Bien sûr, ça, ce sont les avantages théoriques, et il y a aussi des difficultés qui ne sont pas théoriques, qui sont que, premièrement, ça va être beaucoup plus compliqué de concevoir un produit numérique qui doit améliorer un handicap, et c'est exactement la même analogie qu'on peut faire avec les applications. Il y a énormément d'applications smartphone santé, beaucoup sont liées à la gestion de la forme physique, au diabète ou à des maladies très fréquentes, la plupart n'ont aucun intérêt médical. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées comme des dispositifs médicaux. Et seules certaines qui ont mis beaucoup plus de temps et qui ont demandé beaucoup plus d'efforts et d'intelligence à concevoir ont un intérêt médical démontré, mais ça prend du temps et ça coûte plus cher. Donc c'est difficile à concevoir et ça va être, il faut considérer que c'est comme un dispositif médical en termes de temps, d'investissement et de difficulté. Et donc si on prend un seul exemple, qui est l'exemple de l'AVC, donc l'AVC c'est un problème extrêmement fréquent dans le monde, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Aux États-Unis, il y a un AVC toutes les minutes. La mortalité de l'AVC est en baisse, mais ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui survivent, mais comme en général la récupération est incomplète, les personnes qui vont survivre vont statistiquement plus souvent avoir un handicap, et ce handicap, il va falloir justement s'en occuper. Et donc le potentiel de la rééducation est hyper important, parce que les médicaments aujourd'hui n'ont aucune efficacité pour récupérer après un AVC. Mais le problème, c'est que ça nécessite, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être intensif. Il faut le faire plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des mois et des mois pour essayer de récupérer d'un déficit. C'est très répétitif et c'est très fastidieux. C'est imprécis et c'est peu reproductible. Il suffit que vous changiez de kiné et euh, bah, vous n'allez pas faire les mêmes exercices et donc euh, vous risquez de ne pas avoir de résultats. Et vous voyez bien que sur toutes ces difficultés que je cite volontairement sous la forme d'une énumération, la technologie a le potentiel de faire mieux. Que l'humain et c'est pour ça que on croit à ça, dans les... en particulier dans cette situation. Notamment, vous pouvez moduler le timing, donc vous le faites quand vous voulez. Vous pouvez moduler le contenu, voir le contenu peut s'adapter à vous en fonction de ce qu'il observe et vous pouvez moduler évidemment l'intensité et mesurer la performance pour savoir si vous êtes en train de progresser. Donc je vais m'arrêter là pour maintenant. Je vais appeler Pierre. Donc qui est donc je vais le dire maintenant un peu plus dans le détail. Donc Pierre travaille dans une boîte qui s'appelle Genius. Il a développé depuis un peu plus de deux ans un produit qui s'appelle Genius Healthcare. Donc il l'a développé de façon remarquable parce qu'il s'est mis au cœur d'institutions académiques et cliniques de référence et il a fait ça très sérieusement avec son équipe évidemment. Et donc moi j'ai eu la chance de le rencontrer il y a deux ans maintenant. On s'est jamais perdu et aujourd'hui il a un produit qui est mature. Il va vous raconter plus ça dans le détail. Donc merci beaucoup d'être là, on l'applaudit et il va vous présenter qui il est et son produit. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre Foulon. Je dirige le numérique, la santé et la RD du groupe Genius. Et le groupe Genius, c'est une entreprise de services numériques, on est à peu près 180 personnes sur un chiffre d'affaires de entre 16 et 17 millions d'euros. Le siège est à Colombes, en région parisienne. Le, euh, on est une agence à Rennes, une, une agence à Montpellier, et la partie euh, santé euh, est maintenant regroupée euh, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc mes activités au sein du groupe Genius hein, euh, sont regroupées au, sous, sous, sous une BU, une business unit qui s'appelle Genius Healthcare, qui regroupe tout le, tout le numérique, les Serious Games, la recherche clinique, la RD et la santé. Et c'est une équipe à peu près de 25-27 personnes. Nous, sommes très, euh, nous avons de, 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 des liens très forts avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est au sein de l'hôpital de Pitié-Salpêtrière. Euh, et l'ICM, c'est ce bâtiment-là qui regroupe maintenant plus de 700 chercheurs. Euh, Derrière chaque porte, il y a une équipe de spécialistes dans un domaine bien, bien précis. Et on, est, on a des liens très très forts avec eux sous forme d'un laboratoire commun que nous avons, ce qu'on appelle un labcom. Un labcom, on est sous l'égide de l'ANR, donc du ministère de la Recherche. C'est un appel à projet que l'on a gagné en 2013. Et qui réunit un, un académique très pointu dans un domaine avec un industriel. Et ce que nous demande le ministère de, de la Recherche, c'est de créer un lien pérenne et qui dure pour que tout ce qui se crée ensemble euh, puisse être valorisé le plus possible, à la fois sur les aspects euh, cliniques, scientifiques, éthiques et, et industriels. Donc nous, on, on apporte la partie, euh, la partie industrielle, et vous voyez que à gauche, il y a les euh, les spécificités de, de l'ICM, donc les troubles moteurs, les troubles de l'équilibre, les troubles émotionnels, euh, les dysfonctionnements de la motivation, la, euh, tout ce qui, qui tourne autour de l'apprentissage, de la mémoire, ainsi que de la communication et du langage. Euh, et nous, on amène euh, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire toutes les technologies, euh, tout ce qu'on tout, voilà, tout qu peut développer. Euh, et de manière te technologique. Et tout ça, c'est regroupé au sein d'un laboratoire dans la feuille de route et l'innovation d'usage en santé pour les thérapeutes et les patients. Et ce laboratoire s'appelle Brain Innovation. Alors, il est co-dirigé par le, euh, le professeur Marie-Laure Welter, qui est neurologue, et par moi-même. Et donc, c'est cette équipe de deux personnes où on a des liens euh, euh, très forts qui, qui, va vous, euh, qui va nous permettre de, de, de travailler très loin, parce qu'on est garant à la fois, euh, encore une fois, hein, de. de des aspects cliniques. Vous savez, à l'ICM, on ne fait, on fait pas n'importe quoi. On est quand même dans un très haut niveau scientifique, éthique, technologique. On est vraiment dans un cadre très, très rigide, mais on a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et notre feuille de route détaillée, elle est là. On va identifier un besoin en santé publique. On va créer ce qu'on appelle une thérapie numérique, ce que je vais vous détailler. On va faire toutes les mesures de validation d'efficacité clinique. On va même maintenant mesurer l'impact médico-économique de notre innovation sur le, sur le système de soins. Et puis, euh, on va aussi euh, mettre en conformité et régler euh, tous les aspects de, de réglementaires. Ce qui manque, et ce qu'on va rajouter dans, dans, quelques, dans quelques jours maintenant, c'est la diffusion et l'édition de, de tout ce qu'on a fait. Je vais vous montrer comment. Donc on travaille sur ce, voilà, ce qu'on appelle les thérapies numériques. Et vous voyez dans l'image en haut à gauche, euh, vous voyez un professionnel de santé, un patient. Euh, et on est, on est là, dans un, soit dans un cabinet médical, soit dans une institution. Et on va créer sur, sur l'écran, on va créer un contenu euh, qui va être paramétré par le, par le professionnel de santé, qui va s'adresser au patient. Et on va travailler grosso modo sur quatre axes. Les aspects physiques, comme le disait Jean-David, les aspects cognitifs on va euh, traiter aussi les comportements et les émotions. On n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui que de créer euh, un, une, quelque chose de gamifié, c'est-à-dire un jeu. Mais un jeu qui, a, qui a atteint des objectifs thérapeutiques très précis. Hein euh, et ce travail-là, c'est un travail euh, très important. Ça, ça nous prend presque plus de temps que de, que de, faire une, que de réaliser un jeu, en fait. C'est tout ce travail de, euh, de fond. C'est vraiment un, un travail... Euh, assez important sur lesquels interviennent des professionnels de santé, des neurologues, des kinés, des gens, des psychomotriciens, etc. On a, on a, on a tout un réseau. Et comme on fait un jeu, et bien les jeux, on joue seul ou on joue à plusieurs, ce qu'on appelle un jeu multijoueur. Donc c'est l'image toujours en haut à droite, où le même professionnel de santé s'adresse avec le même outil à plusieurs personnes. Toujours en institution, toujours au cabinet. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est... Euh, ce qui se passe en dessous c'est le prolongement de ce qui se fait en institution à la maison avec le même outil. et là euh, le patient va jouer va continuer va prolonger par exemple sa rééducation il sera seul ou plusieurs et là ça va être l'entourage et les enfants ou les, ou les petits enfants et nous on est au carrefour de tout ça avec toutes les données de santé, toutes les données informatiques, tous les contenus etc. Euh, je vais vous montrer je vais vous lancer un film qui montre comment on a traité les troubles de la marche et de l'équilibre, et en fait, on, on est là avec des patients euh, qui ont la maladie de Parkinson, qui sont au bout du système de. Enfin, on ne peut plus rien faire pour eux parce qu'ils sont tous déjà. Euh, ils ont tous une stimulation cérébrale profonde, donc des électrodes au, au fond du, euh, du cerveau. Donc, il n'y a plus de solution pour eux. Euh, on ne peut plus rien. Et on peut plus rien leur proposer de, 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 de thérapeutique. Donc, je vais vous montrer euh, ce film. Je vais vous expliquer après euh, quels résultats nous avons eu. Didier a 55 ans. Depuis 10 ans, cet ancien guitariste souffre de la maladie de Parkinson. Une pathologie dégénérative du cerveau qui le prive peu à peu de ses capacités motrices, gêne son élocution et le handicap lourdement dans la vie quotidienne. Si je suis vraiment off, euh, il peut m'arriver de, de chuter. Aujourd'hui, Didier a rendez-vous à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Non pas pour une séance de rééducation classique avec un ergothérapeute, mais pour une consultation un peu particulière avec sa neurologue. Vous êtes prêts Attention, ça va partir. Voilà, allez. Ce quinquagénaire, pas vraiment adepte des jeux vidéo, participe en effet à une étude clinique menée depuis juin 2015 sur 10 malades de Parkinson. Objectif, utiliser un jeu thérapeutique intitulé Toprone afin de ralentir l'inexorable évolution des problèmes de marche et d'équilibre liés à cette maladie. Et le choix d'un jeu vidéo n'est pas un hasard. Chez les sujets sains, il a été montré qu'en fait, euh, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on libère euh, un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Euh, la dopamine est très importante dans les processus de motivation, les processus d'envie de faire les choses, mais aussi dans les processus moteurs. Et en particulier, dans la maladie de Parkinson, cette dopamine, euh, le patient fabrique moins de dopamine. Il y a une perte des neurones qui fabriquent la dopamine. Et c'est pour cette raison que les patients ont des troubles de la motricité, des difficultés à bouger, mais ils ont aussi des troubles de la motivation. Ils perdent l'envie de faire des choses. Donc il est probable que l'utilisation des jeux vidéo permette une libération de dopamine. Dans ce jeu, grâce à une caméra infrarouge qui enregistre ses mouvements, Didier incarne une petite taupe sportive qui doit récolter un maximum de pièces en évitant les obstacles mis sur sa route. Pour ce faire, il est incité à travailler certains mouvements qui vont l'aider à lutter contre ses problèmes moteurs. On a le bras gauche, il y a des mouvements sur le côté, des mouvements des bras amples, parce que dans la maladie de Parkinson, les gens font moins de mouvements amples. Il y a des mouvements de flexion, où les gens doivent se baisser pour passer sous l'obstacle. Donc ça fait travailler au niveau des membres inférieurs, c'est une fenêtre de flexion-extension. Et puis il y a des mouvements au niveau du bassin, vraiment qui sont centrés sur l'équilibre. La capacité du sujet à rétablir son équilibre et à le contrôler. Au début, il faut se faire à l'environnement. Mais une fois qu'on a intégré l'espace, on sent le bénéfice de séance en séance. Ceci étant, rester une heure concentrée, C'est pas évident. Un exercice difficile, mais apparemment, les jeux thérapeutiques, cela fonctionne. Alors ce qui est sûr, c'est que en 20 séances réparties sur 4 semaines, euh, une fois rentré chez moi, je n'ai pas chuté une seule fois. Ça, c'est un sacré plus. Bravo Super, 93%. Il y a une amélioration de la motricité, les patients se sentent plus stables, il y a moins de problèmes de chute, ils ont aussi une amélioration de leur qualité de vie, ils ont une amélioration aussi des fonctions cognitives, intellectuelles, en particulier tout ce qui concerne l'attention, la capacité à organiser sa pensée, à planifier une action, des choses comme ça. Donc, euh, quand on fait le jeu, vous voyez là, euh, c'est euh, les mesures que l'on fait. Donc, je précise que tous nos essais cliniques sont, sont, sont déposés, évidemment. Et puis, euh, vous voyez, l'infrastructure dont on bénéficie, ça c'est une plateforme d'analyse de marche très, très puissante. Donc, on a le patient, on lui met des capteurs partout, on mesure euh, la pression des pieds. Donc, on, on va quand même très très loin dans la, euh, dans la partie euh, scientifique. Et puis, euh, les résultats, ben, alors, ils sont très intéressants parce que... Euh, euh, on démontre, alors le, la première étude que l'on a faite, c'était sur 12 patients, il y en a une autre qui a démarré au niveau européen sur 50 patients. On fait ça avec une équipe hollandaise, et par exemple, on réduit les chutes de 37%, et plus précisément, le, je vais vous montrer, c'est le freezing. Le freezing, c'est quand les patients euh, parkinsoniens ont, ont les pieds collés au sol, et ce qui provoque une, une chute, donc ça, on, on le réduit de euh, 37%, ce qui est énorme. Parce que même les solutions, les molécules et les médicaments n'arrivent pas à ce, à ce type de, de résultat. Et quand je vous montre cette image, vous voyez, ça, c'est les objectifs thérapeutiques du jeu. On voit une petite top, c'est rigolo. En fait, derrière ça, il y a tout, cette, toute cette, tout ce que fait travailler le, le, le jeu. Voilà, donc on est là sur le cognitif, sur le physique. Et puis, on fait des séances qui démarrent de 10 minutes, 15 minutes. À la fin, les patients font des séances d'une heure, d'une heure. Pendant une heure, ils sont en train de jouer. Et en fait, le jeu permet de les solliciter. Ils s'amusent énormément, mais on atteint quand même des objectifs thérapeutiques qui sont très, très précis. Et c'est les objectifs thérapeutiques qui sont assignés par le professionnel de santé qui va paramétrer le jeu pour chaque patient, chaque patient. Le jeu est paramétré pour, pour, pour ces patients. Et quand on traite les troubles de la marche et de l'équilibre avec une validation clinique sur, sur Parkinson, mais en fait, euh, d'autres pathologies sont, sont concernées. Hein. Euh, Alzheimer, AVC, euh, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, euh, la démonstration scientifique de nos, de nos résultats et ensuite euh, euh, le déploiement de, euh, de ces solutions sur d'autres pathologies. Donc là, cette étude est en cours. Une fois que l'étude est terminée, que nos résultats sont publiés, et bien après on les met sur le marché. Je vais vous montrer comment. Je vous montre un autre exemple sur la maladie d'Alzheimer. Alors là, c'est intéressant sur la maladie d'Alzheimer parce qu'on a bouclé le processus. On a fait une première étude clinique avec des résultats très positifs, des résultats qui ont été publiés au journal of Alzheimer Disease, qui est quand même une référence sur la thématique Alzheimer. Et euh, sur les patients Alzheimer, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors on, on arrive à des résultats d'amélioration physique, euh, d'amélioration des comportements. Alors C'est un jeu qui fait, qui fait quand même beaucoup d'activités physiques et qui augmente, si vous voulez, on augmente la fréquence cardiaque, c'est une activité physique modérée, on augmente la fréquence cardiaque à 55% et on maintient ce, ce rythme-là. Euh, c'est un jeu qui a énormément de stimuli cognitifs, sans arrêt. Et c'est un jeu euh, donc il a des résultats d'amélioration euh, de la mémoire et c'est un jeu qui a aussi énormément de, rés de résultats positifs sur l'amélioration des comportements par exemple la réduction de l'apathie l'apathie sur la maladie d'Alzheimer c'est redoutable parce que c'est euh, l'absence de motivation pour faire euh, des activités ou faire euh, euh, voilà sortir ou autre et ben on réduit énormément ce euh, l'apathie chez les patients Alzheimer bien attendu, bien entendu ce sont des patients qui sont en début de maladie hein. Euh, à partir d'un certain moment, on ne peut plus euh, rien faire. Donc, je vais euh, vous montrer. C'est une bataille navale de, de sous-marins. Je vous montre un film un peu plus court. Euh, vous allez voir à quoi, euh, à quoi ça ressemble. Aux commandes de son sous-marin, Jean Sanchez torpille ses ennemis. À 73 ans, ce retraité souffre de légers problèmes de mémoire, des troubles épisodiques qui lui font parfois perdre la notion du temps. Pour entretenir ses capacités, Jean vient donc chaque semaine dans cet établissement niçois dédié à la mémoire. Donc il faut couler deux cargos, donc deux bleus. Donc toujours pareil quand vous faites les mouvements, pensez à bien lever les jambes à chaque fois. Un des concepteurs du jeu encadre les exercices le en sur le X Torp, un jeu de bataille navale à vise et thérapeutique. Là il fait euh, de l'activité physique et de l'activité euh, on dit cognitive, peut-être pour vulgariser c'est pas exactement pareil mais intellectuelle pour stimuler euh, de manière générale son corps, son cœur et son cerveau. Euh, donc ce jeu, euh, bah figurez-vous qu'il est maintenant dispositif médical hein, depuis, euh, depuis 15 jours. Donc on a passé toutes les étapes de validation clinique et de, et de réglementaire. Et puis euh, voilà, ce... voilà un peu les, les objectifs euh, thérapeutiques du jeu. Donc ça fait travailler euh, du cognitif, du physique. Dans le jeu, il y a énormément tous les tests classiques de mesure d'évolution de la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est des tests qui sont normés, le TMT, etc. Donc, euh, en jouant, le patient, il envoie des données à son professionnel de santé et qui mesure l'évolution de, de la maladie. Et on enregistre tout. Alors, c'est une bataille navale de sous-marin, hein, tout simplement, parce que euh, sous-marin, euh, c'est un univers marin, donc c'est lent, mais euh, on plonge, donc ça nous fait travailler les membres inférieurs, vous voyez. Euh, ça. Et ce jeu... Euh, ben pareil hein, euh, euh, il va aussi s'adresser à d'autres pathologies donc maladie de parkinson avc euh, sclérose en plaques euh, etc je vous mets un, quelques exemples d'autres projets qui sont en cours chez nous on a quand même euh, je crois qu'on a 17 projets en cours ils ont tous un processus de validation clinique donc on a des jeux de rééducation du membre supérieur euh, post avc on en a avec euh, Rééducation du membre, du membre supérieur avec mesure de la préhension. Hein, on mesure la, 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 la préhension de la main. La maladie d'Alzheimer, j'en ai parlé. Parkinson, l'ophtalmologie. Donc, là, une étude clinique qui est en train de, de démarrer avec euh, euh, des équipes franciliennes autour de, euh, de l'Institut de la Vision, l'Hôpital des Quinze 20 la Fondation Ophthalmo Rothschild. Euh, on a des jeux sur l'autisme pour les enfants. On, a, on, leur, on leur apprend à mimer des émotions. On a aussi des jeux, euh, on a un projet qui s'appelle Je rêve. On a fait ça, euh, de, euh, on a fait ça alors ça s'adresse aux enfants niçois. Il euh, y a 600 enfants qui sont en stress post-traumatique après l'attentat de mi-juillet à Nice. Les équipes euh, euh, hospitalières ne, ne savent pas comment gérer un tel afflux. Donc on a, on a fait... Euh, un jeu qui s'appelle Je rêve. Un... Alors, tout le monde a joué le, le jeu hein, parce qu'on a fait ça pendant les, les vacances de, de, de fin d'année. On a eu les autorisations euh, euh, d'études cliniques, le CPP, en, en un temps record. Et les enfants, en fait, créent une, une, une bande dessinée à, à travers plein d'éléments qu'ils qu choisissent. Et ça renvoie des, euh, des données très précises aux professionnels de santé qui vont détecter les enfants qui sont en, en, les plus en, temps en stress post-traumatique et ils vont être prioritaires dans les traitements. On a des jeux, vous voyez, on a un projet qui s'appelle Réminari. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on euh, va encore plus loin dans la recherche, euh, où on va utiliser, euh, on, on, va utiliser on, va, on va créer des jeux qui vont utiliser l'imagerie motrice, c'est-à-dire, vulgairement, euh, les mouvements imaginaires. Vous ne pouvez pas faire un mouvement, mais vous imaginez le faire. Donc il y a toute l'activité neurologique, il n'y a pas la finalité musculaire. Donc on met un casque. Hein, euh, les patients ont des jeux devant eux et ils s'entraînent par la pensée à jouer. Ah oui, ils vont bouger les bras, les jambes, etc. On va faire deux études cliniques en parallèle. Une purement neuro, c'est sur une population qui, a la, qui ont la, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Ce sont des gens qui ne, qui ne peuvent pas trop bouger, sinon c'est délétère pour eux. Et on va faire une autre étude clinique sur l'orthopédie, sur des patients qui sont... Euh, qui sortent d'une du, du, opération de l'épaule et qui ne peuvent pas bouger. Alors, ce qui nous intéresse, c'est si on mesure euh, des améliorations. Euh, vous voyez, on va arriver à un, un outil qui va être utilisé dans la santé de manière transversale. Sur quelqu'un qui va se faire opérer, ben, il peut commencer sa rééducation chez lui à, à, à domicile un mois avant et continuer euh, le, euh, le lendemain. Euh, ça s'adresse à des opérations de tous les membres, la paraplégie, la tétraplégie, euh, etc. On est sur, sur, alors il y a quand même des grosses équipes qui, qui travaillent euh, là-dessus. Hein. Ce, ce sont des gros projets euh, euh, études, études cliniques incluses. Ça nous prend quand même trois ans. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tous ces jeux, tous ces processus, toutes ces validations cliniques Eh bien, euh, on a créé une plateforme qui s'appelle Curapi.com, Make Your curapi. Et cette plateforme, elle est accessible donc chez le professionnel de santé et par les professionnels de santé ou euh, à la maison et au domicile. Cette plateforme diffuse les jeux et gère toute la relation, tout le lien numérique entre un professionnel de santé et ses patients, mais entre un patient et son professionnel de santé, entre un patient et son entourage. Donc on a créé cette, cette plateforme. Cette plateforme aujourd'hui... Euh, elle est utilisée, elle est en train de s'approprier par 2000, euh, un peu plus, hein, je crois qu'on a 3400 professionnels de santé. On l'a mise en accès libre et gratuit pour les professionnels de santé. Et ça se, ça, se répand, euh, ça se répand partout en France et en francophonie. On est en train de terminer, c'est une phase de test longue. Euh, on est dans la santé, donc c'est toujours beaucoup plus long, beaucoup, beaucoup plus long. Hein. Euh, il faut à la fois sortir d'un du, prototype de jeu, faire un produit fini et puis après euh, tester. Euh. Donc on l'a on, on on sorti dans sa première version en octobre 2015. On est quasiment prêt. Je pense que dans quelques semaines, on va euh, déployer. Alors on réfléchit encore au modèle économique. On en a deux. On en a un qui est très agressif, qui est ma préférence. Après, bon, il y a toujours des, petits, des petites contraintes. Euh, un peu réglementaire et encore à lever. Vous savez, à nous, on avance, j'ai toujours l'impression d'être dans la jungle avec une machette et d'avancer et de régler les problèmes au fur et à mesure. C'est notre dernière étape. Hein. Notre dernière étape, elle est là, c'est dans le déploiement de, 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 de Curapie. Notre transformation même est de devenir éditeur de, de, de santé. Donc c'est aussi quelque chose à une nouvelle étape à, à franchir pour nous. On fait ça depuis, on a démarré en 2011. On a choisi tout de suite d'être vraiment dans la santé pure et dure plutôt que d'être dans, dans le bien-être. On s'est dit que dans le bien-être, il y aurait beaucoup de monde. Et puis en fait, on a compris en 2011 qu'on pouvait avoir des validations cliniques sur des outils en ligne. Et donc on commençait à imaginer ce qu'on appelle un peu le médicament numérique ou le logiciel médicament. Et on tire ce, ce fil depuis, depuis l'origine. On a passé beaucoup de temps à nous structurer à nouer beaucoup de, de partenariats avec les, les, pour arriver au projets que je vous ai présenté là. Et on fait ça de manière totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on a, on a, à ce jour, on est totalement indépendant de l'industrie pharma de, ou d'autres de, éditeurs. Et on réfléchit justement à comment on peut se... Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de déployer ça partout. On est en ligne. Nos jeux sont dans toutes les langues. Et ce qui nous intéresse, c'est de diffuser ça le plus largement possible. Euh avec une logique qui est très numérique. Hein. On, est, on est ici euh, dans un temple du, du numérique. Dans le numérique, quand on veut gagner un, un million de dollars, on peut demander à un euro à un million de personnes. En, en santé, c'est très facile. Si vous attaquez le marché euh, de la maladie d'Alzheimer, si vous prenez 1% du marché, ce sont des sommes colossales. Donc on est en train voilà, de, de réfléchir à tout ça. Plutôt discrètement jusqu'à présent, on commence juste à communiquer parce que quand on a des études cliniques en cours, ben, on n'a trop rien à dire. Hein. Moi, je, je, je communique que quand on a des, des résultats concrets. Euh, mais voilà, ce qu'on vise, c'est ça. En espérant que ça marche. On vient quand même de loin et j'espère qu'on ira encore plus loin euh, avec quelques écueils. Hein. Quand on explique ça aux gens de, de l'industrie pharma, on voit qu'on ne se comprend pas du tout. Alors qu'on s'adresse aux mêmes personnes, on pourrait être même complémentaires. On, jamais j'aurais imaginé qu'on ait besoin de faire ce chantier, de créer une plateforme et d'aller beaucoup plus loin. C'est un travail colossal. On serait une start-up, je pense qu'on ne serait pas arrivé. On a la chance d'être dans un groupe qui est un peu structuré avec mon, des moyens que je demande régulièrement euh, euh, à mon PDG. Euh, voilà, on a beaucoup d'autres projets en cours euh, qui vont toujours beaucoup, beaucoup plus loin encore. Et comme disait euh, Jean-David, ce qu'il y a à faire, c'est énorme. Voilà, énorme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très clair. Euh, ben Allez-y, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, D'abord, merci pour euh, l'exposé, c'était vraiment euh, très très intéressant. Euh, c'est vraiment passionnant ce que vous faites avec euh, donc euh, ces jeux, euh, ces serious games, comme on dit. Euh, après, j'ai juste un, un petit détail qui me qui me chiffonne, c'est c'est qu'on a l'impression que les essais cliniques sont un peu le bottleneck de votre... De, le goulot d'étranglement de votre développement, en fait. Et que les études cliniques que vous, que vous mettez en avant euh, sont encore faites de manière très classique, avec 10, 50 patients. Et euh, on aura envie de dire que la technologie pourrait justement permettre de faire des études à, à beaucoup plus grande échelle. Alors il doit y avoir sans doute des problèmes réglementaires, etc. Euh, donc, j'aimerais que vous commentiez là-dessus, s'il vous plaît. Euh, et aussi, j'aimerais avoir le comparatif entre les essais cliniques sur les serious gains que vous développez, notamment sur Alzheimer, et ceux euh, des molécules quoi, de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors, euh, vous savez, sur euh, Alzheimer, les molécules, il n'y a aucun résultat d'amélioration. Tu en connais 99,7% pour... 99 des essais cliniques dans l'Alzheimer euh, ont échoué. Dans le médicament. Donc il y a très peu de médicaments qui marchent. Le peu de médicaments qui marchent un peu, vous savez que la Haute Autorité de Santé en France a proposé de les dérembourser. Finalement, Marie-Soltoren, pour des raisons politiques avant les élections, n'a pas suivi la Haute Autorité de Santé. Mais il est clair que dans l'Alzheimer, euh, les, les essais cliniques effectués ont tous échoué, euh, dont certains avec des produits qui ont nécessité des centaines de millions de dollars d'investissement. Donc effectivement, ça c'est un premier élément de réponse. Je te laisse compléter et je répondrai ensuite plus spécifiquement sur ce que vous avez dit sur les essais cliniques. Alors les essais cliniques, vous savez, ce sont des choses qui sont normées. Et quand on travaille avec des professionnels de santé, il faut s'adapter à leur, à leur mode de fonctionnement. Ceci dit, il y a des équipes, et Jean-David les connaît bien, qui travaillent justement sur des solutions qui permettent de faire des essais cliniques plus larges, plus vite, et avoir des résultats euh, positifs qui soient plus rapidement accessibles aux, aux patients. Que euh, rapide dans sa version. Euh, dans sa version que je vous montre là, c'est un outil de diffusion de, 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 de thérapie numérique. On a une autre version où on est en train de travailler sur un, sur un modèle de centre numérique d'investigation clinique. C'est-à-dire qu'à terme, je pense qu'on pourra faire des études cliniques de masse, euh, lancer des appels de manière internationale sur des profils de patients bien particuliers et pouvoir traiter des, des, des quantités beaucoup plus importantes et réduire euh, les délais. Vous savez, pour faire une étude clinique, le problème, c'est le recrutement des patients. C'est ça. Donc, euh, quand on est nous à l'ICM, euh, on est au, au deuxième étage, au premier, il y a un centre d'investigation clinique. Donc, euh, on, on, on est très lié à ça. Bon, le jeu Xtorp, il, il est en phase 3 de, de validation clinique, hein, euh, avec plus d'une centaine de patients qui, est qui, qui vont être impactés sur le plan national. Euh, une étude clinique qui est portée d'ailleurs par le professeur Robert Annis. Et le professeur Dubois à Paris. Le professeur Dubois, c'est quand même la personne qui, qui pilotait le plan Alzheimer en France. Euh, je pense que ça va beaucoup évoluer et je sais que Jean David aussi euh, partage ce point de vue avec les, les, les relations qu'il a, avec les équipes du professeur Ravo, par exemple. C'est clair que la recherche clinique doit bouger et doit évoluer grâce aux outils numériques. D'un autre côté, il y a quand même des, des contraintes à respecter. Alors, ce n'est pas juste des contraintes pour faire de la bureaucratie. Ce, il faut bien, ce dont il faut se rendre compte, c'est que le fait que les essais cliniques soient si lourds, c'est aussi parce qu'ils sont très rigoureux, et c'est parce qu'ils sont rigoureux que leurs résultats sont fiables. Si jamais les essais cliniques étaient faits de façon plus permissive, dans beaucoup de cas, on vous présenterait des résultats qui sont tout simplement faux. Si je veux prendre un exemple que tous les entrepreneurs du numérique connaissent, vous avez l'entreprise le, qui a été créée par la femme du fondateur de Google qui s'appelle 23andMe. C'est une entreprise qui fait de la génomique. Et ben, pourquoi 23andMe a été interdite par la FDA avant d'être très, très minimement réautorisée récemment Il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui. C'est parce que les résultats étaient faux. Donc, euh, Ces gens-là qui viennent du numérique ont des codes qui sont différents euh, des gens qui viennent de la pharma ou de la medtech et donc euh, ont une philosophie qui n'est pas la même. Et les résultats que présentait 23 et demi avant d'être interdit, c'était des résultats qui étaient faux. C'est-à-dire qu'on vous disait que vous aviez tant de, de chances d'être diabétique, mais c'était faux, ce n'était pas fiable. Donc effectivement, la recherche clinique doit bouger, elle est en train de bouger, ça va prendre du temps comme tout le reste. Maintenant, il y a un minimum de normes à respecter, non pas pour faire plaisir aux bureaucrates, mais parce que sinon, les résultats sont inexacts et qu'on ne pourrait pas faire confiance. Et ça, c'est tromper les gens et ce pas acceptable. Et puis, on est extrêmement surveillé et vérifié cette rigueur que l'on a, ben, ça prend du temps en fait. Mais euh, quand on arrive à avoir une publication avec un jeu vidéo au journal of Alzheimer's Disease, je suis sûr qu'on est content. Euh, enfin, la publication elle a été faite, le, je crois que c'était le 10 août. Nos sites ont, 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 ont explosé en, en consultation. Donc on voit bien que aussi les professionnels de, de santé recherchent une, une, une validation clinique mais rigoureuse. Sinon, ils, de toute façon, ils n'utiliseront pas le, 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 le produit. J'ai l'impression que vos produits étaient euh, utilisés euh, quasiment... C'était en présence d'un professionnel de santé. Euh, Est-ce que le produit peut être utilisé euh, par le patient seul chez lui ou jusqu'à présent, c'est vraiment euh, seulement sous la surveillance d'un médecin, d'un psychologue, d'un... Alors, bon, c'est les films, en fait. Hein, c'est des, des, des équipes... Euh journalistes qui sont venus filmer les essais cliniques, donc il y a toujours un professionnel de santé. La finalité, c'est ce que je montrais au début, c'est vraiment d'utiliser euh, euh, que, que ça soit prolongé, euh, que la, la rééducation par exemple soit prolongée à la maison et ça peut être seul ou à plusieurs avec la famille. Ça dépend en fait du, de la capacité du patient à, à pouvoir utiliser seul ou pas. Euh, c'est prévu pour, des fois on peut le recommander. Euh, des fois, on recommande de pas, de pas, quand il y a un risque de chute, et autres, de pas, voilà, ça, c'est dans les, c'est dans les re recommandations d'usage. Il n'y a pas d'opposition de la part des médecins à à ce que le jeu soit utilisé par les patients sans leur présence ou sans. Non, pas du tout, non. Okay. non, non. À mon avis, ceux qui ont un coup à jouer dans cette histoire, c'est les kinés. D'accord Parce que là aussi, euh, on se rend bien compte que ce truc-là, c'est une disruption euh, typique de la kinésithérapie. Mais je pense, et tu me confirmeras parce que tu en as rencontré, que les kinés ont compris que le jeu allait bouger et qu'ils ont compris qu'ils allaient arrêter d'être euh, des personnes qui ont un bassin chez eux et qui font faire des mouvements aux gens, mais qui vont se transformer en des grands coordonnateurs de rééducation, en pilotant justement beaucoup plus en ligne ou en présentiel, mais grâce à la technologie de leurs patients. Et je pense que les kinés ont la bonne mentalité pour évoluer vers ça. En tout cas, moi, ceux que je sont intéressés et au lieu de le voir comme une menace vis-à-vis -vis de leur job, ils le voient au contraire comme une intellectualisation et comme une élévation de leur profession. C'est mon interprétation. Et puis en plus, on, les jeux renvoient des données très précises. Sur un jeu de rééducation du membre supérieur, on est capable de dire que l'amplitude du mouvement a augmenté de euh, tant de euh, Quelqu'un qui se réduit à la maison, donc. Euh, avant une séance de rééducation, le, le professionnel de santé regarde un peu ce qui ce qui s'est passé. Du coup, il va adapter sa rééducation de manière encore plus précise sur des données objectives. Donc ils, ils ont, c'est, on, pas du tout un, 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 des outils qui viennent concurrencer. Hein, euh, il y a déjà plein d'outils dans, dans, dans les dans les cabinets de, de kinésithérapie. C'est un outil en plus, voilà. Mais par contre, ce, celui-là, on garantit que son usage à la maison, il est conforme. Euh, de manière réglementaire et en général, il a été paramétré par le par le kiné, donc euh, c'est toujours très très bien reçu. Avant toute chose, bravo pour votre intervention, très claire, ex, extrêmement intéressant. Vous évoquiez avoir quelques hypothèses de travail sur votre business model justement. Vous avez parlé de vos utilisateurs. D'après vous, notamment en regard de votre déploiement international, qui seraient vos clients Alors tous les professionnels de santé, tous les patients, au sens large. Euh, après, c'est comment les atteindre. Donc ça, je vous c'est un, un nouveau chantier qui me qui me préoccupe euh, ces jours-ci. Euh, voilà. Je, sur, bon, après, vous savez, sur la maladie d'Alzheimer, il y, y, y a très peu de, de solutions. Donc, euh, on en a une. Euh, J'espère qu'elle va pouvoir se répandre comme il se doit. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Normalement, le destin d'un produit comme ça, c'est de suivre le parcours normal d'un dispositif médical, c'est-à-dire de faire un dossier, de le déposer auprès de la haute autorité de santé, auprès du comité spécifique, d'attendre des interminables mois que la haute autorité de santé ait le temps d'examiner le dossier, et ensuite encore des interminables mois pour aller au CEPS euh, négocier un prix de remboursement. Mais voilà, il n'y a, a, a pas 50 stratégies possibles. Soit on demande aux gens de payer. Ce n'est pas forcément directement les gens, ça peut être les euh, groupes de cliniques qui peuvent s'intéresser à ça, ça peut être des assurances complémentaires qui cherchent à en faire un produit d'appel, soit euh, c'est remboursé par euh, la solidarité nationale, et donc ça passera par l'assurance maladie. Normalement, le destin normal d'un produit comme ça, c'est d'aller vers ça parce qu'il est à haute valeur ajoutée thérapeutique. Bien sûr, on sait que plein de gens développent des applications ou des logiciels qui sont moins ambitieux, qui sont aussi moins qualitatifs, et qui n'ont donc pas la patience de créer un dossier et d'aller vers ce parcours-là, et qui essayent de monétiser autrement leur produit. Mais avec des difficultés. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent spécifiquement de l'argent. Et si vous regardez les gens qui vont gagner de l'argent bientôt euh, grâce à des remboursements, bah c'est les gens qui ont des bons produits, donc c'est Voluntis ou c'est Sivan Innovation, par exemple, mais c'est des gens qui ont fait des essais cliniques. Donc voilà un peu mon avis là-dessus. Question similaire que mon collègue concernant le business model. Aujourd'hui, vous parliez des, du développement euh, dans les études euh, qui dure pratiquement trois ans. Aujourd'hui, comment ça se passe pour financer trois ans de développement Alors trois ans, c'est. Euh... C'est du début du projet jusqu'à la fin d'une étude clinique et des résultats qui sont publiés. Ce qui est déjà très court en fait, figurez-vous. Alors qui finance euh, L'État. Et nous, Genius. Hein, donc on dépose euh, des euh, dossiers sur des appels à projets que l'on gagne et on est financé, nous, en PME, à euh, 45%. On prend en charge le reste. Donc le groupe Genius a investi énormément quand même sur ce. Sur, ce, sur ces produits là avec les résultats maintenant qu'on qu qu commence à avoir et euh, de manière assez indépendante comme je disais je ne trouvais pas ça normal au début maintenant je trouve que c'est une force en fait hein euh, mais on fait partie des gros financeurs sinon on est quand même on est sur des projets européens l'état finance quand même la recherche euh, la recherche avec euh, les PME qui sont parties prenantes. Euh, parce que ce qu'on demande, ben, ce que demandent les financeurs. Alors ça peut être aussi la région Île-de-France hein, euh, sur, sur des FUI. C'est bon, c'est des appels à projets. On, on est financé euh, soit par l'État, soit par euh, la région Île-de-France, par exemple. Mais ce qu'on nous demande, c'est de, de, ben, de, de défricher, de trouver et de commercialiser. Donc quand on fait ça, on arrive à être financé en partie, mais on prend quand même en charge une grosse partie du, du financement et du risque. Deux questions de ma part. Pour continuer sur le médico-éco, vous avez parlé du volet médico-éco des études. On sait que c'est souvent pas facile de faire du, du vrai médico-éco. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez pu produire là-dessus, sur les quelques éléments que vous avez montrés Alors, c'est un peu confidentiel, mais sachez que c'est une équipe spécialisée en médico-éco qui, qui, qui est maintenant systématiquement avec nous sur les projets. Et euh, c'est d'ailleurs un projet qui, finisse, qui est financé par le ministère de la Santé. Donc, on a, on a suffisamment montré qu'on était capable de le faire et que l'équipe adéquate était euh, suffisamment professionnelle pour euh, justement avoir un, un petit financement pour, euh, pour y arriver. Euh, je pense que c'est la, la clé. Euh, vous savez, c'est la première fois que j'en parle, qu'on qu qu fait des, des études médico-éco. C'est la différence avec d'autres qui arrivent et qui commencent à, à, à faire comme nous. Euh, et quand ils feront du médico-éco, on sera, j'espère, encore un peu plus loin. Euh, mais on suit la voie royale de euh, ben, pour aller jusqu'au euh, jusqu remboursement. À mon avis, ça ne sera pas notre seul modèle économique. Hein. Et puis moi, j'ai plutôt une vision pour rendre la, la santé très accessible et pas chère. Voilà. Et plutôt viser la, la, les masses. Le numérique, c'est ça. Moi, je suis une culture. Je sais pas je ne suis, suis pas médecin, j'ai une culture numérique. Donc, on raisonne toujours sur, un, sur, sur, sur des masses et il n'y a, a pas de frontières ni linguistiques ni géographiques. Euh, mais on aura démontré quand même, sur le système de soins français, la, voilà, le, le, ce, que, ce que ça va apporter d'un point de vue médico-économique d'un jeu comme Xtorp. Voilà, C'est en cours. Deuxième question, j'en profite, sur curapi.com et la manière de faire connaître vos produits aux prescripteurs. Euh, J'imagine que vous n'allez pas avoir des réseaux de visites médicales, que vous n'allez pas adopter les codes de l'industrie pharma. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dire un peu plus sur les pistes que vous explorez On sera full numérique. Donc ça, on n'aura pas de visiteurs médicaux. C'est impossible. Et ben on a... Mais ça aussi, pour l'instant, c'est encore un peu, un peu confidentiel. Dans quelques semaines, ça va sortir et on va pouvoir commencer à expliquer là-dessus. Ça fait quand même très longtemps qu'on y travaille. Il y a une équipe qui est dédiée là-dessus. C'est très lié au modèle économique aussi. Donc tout ça, pour l'instant, c'est encore un peu, un peu confidentiel. Il y a des études juridiques qui en sont en train de blinder un peu nos, nos, nos points de vue. On verra. Voilà. Mais ça sera complètement numérique et, et disruptif. Et vous savez, sur les euh, 3 400 professionnels de santé qui, qui l'utilisent ou qui se l'approprient, pour l'instant, on ne s'est pas déplacé une seule fois. Donc on a vérifié aussi qu'on euh, arrive à les faire venir à nous mais on arrive à les faire venir à nous parce qu'on a des validations cliniques. Sinon, de toute façon, ils ne viennent pas. Euh, sinon, ils ne vont pas prendre la responsabilité d'utiliser un, un outil s'il n'a pas fait une démonstration médicale avérée, s'il n'y a pas un bénéfice patient qui a été vraiment démontré. Donc ça, après, ça, ça nous aide beaucoup dans la, dans, dans la communication. Bon, et puis après, on a d'autres... Voilà. C'est un peu prématuré pour en parler encore. Hein. Je suis désolé. Est-ce que vous proposez des... des... Euh, des euh des applications ou, des, ou des, des choses comme ça qui permettraient de s'auto-diagnostiquer chez soi. Euh, typiquement, je sais pas, je me suis euh, fait mal à la jambe, de savoir en faisant quelques mouvements si elle est cassée, pas cassée, euh, et si je veux voir un vrai médecin ou un ostéopathe. Ou... Alors, moi, je, euh, un, un diagnostic, c'est un médecin qui fait ça. Ce n'est pas une application, enfin, de mon point de vue. Donc nous, on parle un peu de dépistage, vous voyez, mais on est encore sur les troubles cognitifs. Euh... Je, tu connais une, une application qui fait Oui, il y, y en a un, mais c'est autre chose en fait, d'accord C'est un autre euh, champ euh, de, de développement. Euh, S'appelle des symptom checkers notamment. Il euh, y en a un, un grand nombre qui sont sur le marché. Il euh, y, y a régulièrement des études qui montrent que ça fait un peu moins bien qu'un médecin aujourd'hui. En gros, si on veut résumer les résultats de tous les symptômes checkers, il y a une étude qui a été publiée le mois dernier euh, qui a comparé le diagnostic de médecins ou d'étudiants en médecine assez avancée avec des symptômes checkers. Donc, qui sont des applications où vous rentrez vos symptômes et puis on vous dit vous avez un risque d'avoir ça ou de pas avoir ça. Et aujourd'hui, ça ne fait pas aussi bien que le médecin et ça fait pas mieux que le médecin en moyenne. Maintenant, il y, y a plein de boîtes. Il y a une boîte, par exemple française, pour laquelle je vais faire de la pub, qui s'appelle Citizen Doc, qui a une application euh, qui a été développée par un médecin. Et donc, quand on lui demande euh, si, si, si ça marche, son truc, il dit bah, :« Pour l'instant, j'ai été utilisé 80 000 fois, J'ai zéro procès. Donc, euh, c'est que c'est pas catastrophique. Euh, évidemment, ça suffit pas, mais c'est quand même un indicateur. » Mais par contre, c'est complètement autre chose que les thérapeutiques numériques que, que développe Pierre avec Genius. Donc c'est autre chose. Mais vous allez en trouver. Hein. Si tu cherches, tu vas trouver des trucs. Et même pour euh, dépister Alzheimer ou... bah, Franchement, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui existent sur troubles de la mémoire en général. Maintenant, bon, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça peut dépister quelque chose, mais ça ne permettra jamais de remplacer en tout cas, pas avant un certain temps et encore moins auprès des autorités, le diagnostic qui est fait par une personne, et en l'occurrence par un neurologue. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a intéressé. Merci.